Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Tinikin. Je pense que ça sera le dernier épisode sur les hauteurs de Foliana, puisqu'on est très bien parti. On va tout de suite aller voir ça en jeu. Et donc, comme je le disais, on est pas mal parti, hein, même si les objectifs nous disent que on n'a pas fait grand-chose, c'est-à-dire qu'on a récupéré la clé, mais on l'a toujours pas donnée à qui de droit, donc bah, l'objectif n'est pas validé. Il y a toujours une quête qu'on ne connaît pas. Par contre, on a fait la deuxième quête secondaire, qui est de rassembler les ossements de la créature préhistorique. Et il nous reste 200 pollens à attraper, dont les pollens qui sont ici. Et que je n'arrivais pas à attraper la dernière fois puisque eh bien, je n'avais pas la dernière bulle de pollen et c'était un petit peu trop loin. Voilà. Ah, bah c'est toujours un petit peu trop loin. Faut que je prenne un petit peu plus d'élan ou alors que je m'arrête sur ces petites choses, hein. Le mot chose était étant gentillet pour parler. Ouah! Oui, mais non, c'est... Erf. On va y arriver. Normalement, on a absolument tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Hop. Hop. Par contre, ce que je peux peut-être faire... Est-ce que je peux tricher en passant par là? Je pense que je peux tricher en passant par là. Après tout, hein, on n'est pas obligé de prendre le chemin officiel. Voilà. Maintenant qu'on a toutes les bulles qui étaient sur les plantes carnivores, on est bon. 50 bulles d'un coup, 50 pollen, on est content! Et en plus, comme ça, on va pouvoir repartir simplement. Il nous reste toute cette partie-là qu'on n'a pas faite. On va faire simple. Simple étant ici. Puis là. Ah, j'ai trop descendu. J'ai trop descendu. J'ai trop descendu. Voilà. On revient ici. Donc on a dit simple étant ici. Je vais reprendre un petit peu de hauteur du coup. Histoire de pas faire deux fois la même connerie. Ensuite, il y a des choses à droite, il y a des choses à gauche. Oups, je déteste ces plantes carnivores. Je déteste ces plantes carnivores. Ah, punaise. J'ai zéro réflexe aujourd'hui. C'est pas grave, le jeu n'est pas punitif pour deux sous, c'est quand même très agréable quand on a deux doigts gauches comme moi. Alors, il y a des choses à faire derrière nous, j'ai bien vu. Mais je vais aller par là. Parce que on a cette chose-là. Fin grimpeur à ce que je vois. Je me présente. Robin des Ronces, voleuse au corps d'or. Justicière des infortunés. Tu as une allure étrange, surtout d'un point de vue capillaire. Mais je ne juge pas un insecte à sa carapace, seulement à sa générosité. Vois-tu, cher ami, je suis de celles qui croient que les mythes qui nous gouvernent exploitent le pauvre peuple pour s'enrichir. Un de leurs percepteurs a fait une chute malencontreuse jusqu'ici, à laquelle je suis bien sûr étrangère.
Cette magnifique gemme est restée suspendue sur cette poutre. Participe à la cause, rapporte-la-moi, et je te la rendrai au peuple à qui elle appartient. Et je saurai te récompenser comme il se doit. Et donc la gemme est là. Par contre, tu n'as pas d'aile, je pense qu'il faut savoir au moins paner de 3 bulles pour traverser tous ces obstacles. Impressionne-moi, compagnon. Ben, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Déjà, on va péter ça. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, j'oublie pas que j'ai des choses à faire par là, mais je sais pas si je pourrais remonter simplement, en fait. Donc, je vais pour l'instant rester sur les choses en hauteur. Hop. Normalement, j'ai 4 bulles, hein. Nous on a 4 bulles. Nous on a 4 bulles. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. On a 4 bulles. 4 bulles, c'est bien plus que 3. Ce qui fait que là, on a fait. Je vois rien ici d'exceptionnel. Je vois encore une de ces cochonneries. Voilà, parfait. La gemme. Parfait. On arrive ici. Donc je vais reprendre un petit peu d'élan. Un petit peu de hauteur. Parfait. Je pense qu'on peut, avec nos bulles, sans souci, faire ça. On revient ici. Hop. Quelle brillante victoire sont nos tyrans! Malgré ton apparence, tu as le cœur pur. Beaucoup mangeront leur faim ce soir grâce à toi. Comme convenu, voici la récompense dont je t'ai parlé. Si tu venais à croiser la route d'un de mes compagnons masqués dans le futur, n'hésite pas à leur faire signe, dans notre intérêt mutuel. Parfait. On a gagné le dard d'acier. Et du coup, on va aller par là. Hop. Essayer de débloquer ce qui nous manque. Donc il nous manque un petit peu moins de 100 de pollen. Sachant que il nous manque une lettre. Et je l'ai pas vu. Donc on a peut-être quelque chose à gérer de ce côté-là. Sachant qu'on va pouvoir débloquer ici. Et que clairement il y a du pollen là. Donc on va ici, on va là. Ah, la lettre est là, parfait. Parfait, parfait. Parfait. J'espère qu'on n'en a pas trop pas vu. Ok, là, juste descendre, ça n'a pas l'air d'être un endroit intéressant. J'espère qu'on a vraiment qu'on n'est pas trop mal. Parce que je vois pas trop d'endroits qu'on n'a pas fait. Et vu le nombre 1022, ça tombe pas juste. Parce qu'on va en récupérer un petit peu avec notre lettre. Mais 1022, ça veut dire qu'on va devoir chercher un peu, je pense. Voilà, parce que là on arrive à 1032. 1082 et il nous en manque 18. C'est beaucoup. Ça veut dire qu'il y a probablement un endroit où je suis pas allé ou quelque chose que je n'ai pas fait. Ça
Ça peut être des lumières que je n'ai pas allumées, ça peut être un peu tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer la clé déjà. Comme ça, ce sera fait. Même si je pense que ça va pas aider. Ah, les ombres vont arriver! Mais qu'avez-vous fait? Idiot, à cause de vous, nos efforts pour saper les plans des créatures des ombres tombent à l'eau! Vous êtes de mèche, n'est-ce pas? Mais vous ne m'arrêterez pas, préparez-vous au pire! Ok, donc on a bien débloqué l'objet, mais on n'a pas vraiment résolu notre affaire. Où est-ce que j'ai pu oublier 18 pollens? En espérant qu'ils soient tous au même endroit, hein, parce que c'est pas non plus impossible que j'ai oublié des pollens à plusieurs endroits différents. On va essayer de prendre de la hauteur et de regarder un petit peu dans les coins, les recoins. Là, on peut monter un petit peu, mais est-ce qu'on peut monter super haut? Non. Qu'est-ce que j'ai oublié? À quel endroit? Est-ce que j'ai oublié des trucs dans les terrariums? C'est possible. C'est possible, c'est possible. Tout est possible. C'est un peu ça qui m'ennuie, parce qu'il n'y a rien d'évident là, clairement. Ici, c'est là d'où on vient. Je vais utiliser un petit peu les jumelles en essayant de pas me casser la figure. On aurait pu oublier quelque chose dans le terrarium, que ce soit celui du haut ou celui du bas. Là, comme ça, je vois rien. Je vois rien d'évident, donc ça veut dire que probablement va falloir chercher un peu. On va essayer de pas se casser la gueule. Un petit peu. Je crois qu'on... Oui, on l'a eu, la grosse bulle qui est là. Qu'est-ce qu'on a pu louper? On a pu louper des choses à plein d'endroits, en fait. Je vois clairement pas d'endroit évident où aller chercher. Du coup, bah, on va essayer, hein. Ici, normalement, on a fait les différents fils aussi, normalement j'ai tout fait.
ici, on est bon. Ici, on est bon. Ici non plus, je vois rien. Donc ce terrarium-là, ce serait bon. Il y a un terrarium en dessous. Ah oui, il y a une grosse bulle. Il y a une grosse bulle là qu'on n'a pas faite. Est-ce que ça sera 18? Je ne sais pas. Mais en tout cas. Ah ben non. Donc ça veut dire que on a probablement deux bulles comme ça qu'on a loupées en plus. Du coup on a trouvé celle-là, hein, c'est déjà cool. Ici j'ai tout pris. Ici y a rien. On va rejeter un coup d'œil ici. Après tout, c'est aussi le but du jeu. Hop. Là, y a rien. Ici, y a rien. Y a rien nulle part. On ressort. J'ai bien fait également les choses qui sont là, c'est-à-dire ici, celle-là, et de l'autre côté, l'autre aussi est vide. Ça, c'est bon. Je ne vois rien à casser. Ici non plus. Par là, est-ce que j'ai oublié des choses? Ah oui, on a oublié des choses. Et voilà, on a tout complété. Foliana. On va aller récupérer notre artefact. Le grand entonnoir est à nous! Le grand entonnoir est capital pour le bon fonctionnement de la machine. Chrysal est au bout de ce tunnel. Allons-y! On va y aller aussi, hein. Puisqu'on n'a plus rien à faire. Ah, Foliana. C'était plus compliqué que prévu. Beau travail, Milodan.
Nous avons ajouté un nouveau composant à la machine du grand Darwin. Je n'ai aucune idée de comment mettre la patte sur celui-ci. Les ciseaux de la ville des thermes de Balnéa, offerts uniquement à son citoyen le plus émérite. Balnéa est accessible par une trappe à Foliana. C'est parti! Eh bien, ça sera parti lors du prochain épisode. On va s'arrêter sur eh bien, cette victoire hein, sur le grand entonnoir. Et on découvrira Balnéa la prochaine fois. Bye bye!